Barack Obama s'est rendu à Newtown 2 jours après le massacre de 26 personnes dans une école primaire. Lors d'une cérémonie œcuménique, le président américain a promis de faire tout son possible pour éviter de telles tragédies. Et dans le pays, les appels se multiplient pour durcir la législation sur les armes. Une sénatrice démocrate va proposer une loi pour interdire les fusils d'assaut. Le SMIC augmentera de 3 centimes de l'heure au 1er janvier à 9,43 €. Une revalorisation de 0,3% qui se limite à la hausse légale sans coup de pouce supplémentaire. Par ailleurs, les critères du SMIC vont être revus, mais l'idée d'une indexation automatique sur la croissance promise par le candidat Hollande puis par le Premier ministre est abandonnée. Marc Machin, de retour aux assises pour être définitivement blanchi. Âgé de 30 ans, il en a passé 7 en prison pour un meurtre commis par un autre. Il devrait devenir la 8e personne en France depuis la Seconde Guerre mondiale à être acquitté d'un crime à l'issue d'un procès en révision. Succès pour l'UMP au second tour des législatives partielles. Dans l'Hérault, un proche de Jean-François Copé reprend un siège au PS. Dans le Val-de-Marne et dans les Hauts-de-Seine, l'UMP conserve les 2 sièges en jeu. Par ailleurs, les 2 rivaux Copé et Fillon seraient proches d'un accord. Ils seraient prêts à un nouveau vote pour la présidence du parti en septembre 2013. Nicolas Anelka négocie son départ du Shanghai Shenhua, le club chinois qui lui avait offert un pont d'or il y a moins d'un an. Le Français renoncerait à son salaire de 7 millions de dollars si le club le laisse libre de partir sans indemnité de transfert. Il pourrait retourner jouer en Angleterre.